Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Réflexion. Nous allons explorer aujourd'hui une nouvelle tranche de vie avec Dan Issette qui vit au Zimbabwe. Cet ingénieur devenu pasteur d'église a été atteint des symptômes de la lèpre à l'âge de 13 ans. Ce n'est qu'11 ans plus tard que le médecin fait le bon diagnostic sur sa maladie. Rien ne prédisposait Dan Issette d'être atteint par la lèpre, une maladie qui touche plutôt les couches défavorisées de la population. Amputé d'une jambe, lui et sa femme ont caché sa maladie pendant 28 ans. Dan Issette, bonjour et bienvenue. Au début, vous avez été diagnostiqué de syphilis. Votre femme a immédiatement pensé que vous lui aviez caché une partie de votre jeunesse. C'est exact. Mais je crois que notre mariage était suffisamment fort à ce moment-là pour que ma femme puisse le comprendre et pour qu'on puisse négocier. Elle l'a accepté, car c'est le genre de femme qui peut accepter cela. Comment avez-vous découvert votre lèpre? It happened soon after that I'd been. The doctor said that I had syphilis, and after the third treatment, we realized that. Les docteurs ont d'abord pensé que j'avais la syphilis, et lors du premier traitement, ils réalisèrent que ce n'était pas la syphilis. Ils m'ont envoyé voir un spécialiste qui a fait tout plein de tests et a finalement réalisé que mes bras, mes jambes avaient une grande portion qui était comme anesthésiée, ce qui est typique de la lèpre. Mais même à cette période, les spécialistes n'avaient jamais encore eu affaire à la lèpre. Ils ont sorti quelque chose comme 3 litres de sang sur une période de 3 mois pour faire différents tests. Jusqu'au jour où il m'a dit, viens, j'aimerais encore faire un dernier test. Il a fait un prélèvement de peau. Et je savais que c'était un test concernant la lèpre. Et finalement, le test, ce dernier test, était positif. Qu'est-ce que vous saviez de cette maladie à cette époque? J'ai grandi dans une église, donc je savais ce que la Bible disait à propos de la lèpre. J'ai également vu un film intitulé Ben-Hur, et à la fin, on voit des lépreux portant des cloches et étant dénigrés. Donc j'avais cette image très négative de la lèpre. Pour moi, la lèpre était quelque chose de très contagieux, et c'était également une maladie où beaucoup de souffrance était rattachée. Votre jambe a dû être amputée, et curieusement, vous n'avez pas parlé de votre maladie pendant 28 ans. Pourquoi? Yes, my leg was amputated in 1980. That was about. Oui, finalement, nous avons dû amputer ma jambe. We didn't tell people because à peu près, je pense, 8 ans après avoir eu le premier diagnostic de la lèpre. Mais parce que j'étais tellement effrayé des conséquences sociales que je n'avais pas envie d'en parler. Je n'avais pas envie de rendre cette maladie publique. J'ai passé beaucoup d'heures avec ma femme à en discuter. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, j'ai ces taches, j'ai ces symptômes de lèpre. Est-ce qu'il faut que j'en parle? Et j'étais envahi par le doute, j'étais envahi par la dépression. J'avais partout ces taches. J'ai également vu le médecin du Zimbabwe qui faisait partie de l'association anti-lèpre. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il qu'après tout ce temps, j'ai encore des taches? Et il m'a expliqué qu'en fait, le corps était en train d'éliminer encore des bacilles de la lèpre hors de mon corps. Et Steve Griffith, qui était le responsable de cette mission, m'a dit, mais nous aimerions ton témoignage. Moi, je n'avais pas envie parce que je savais que si j'en parlais, les gens sauraient enfin ce qui n'allait pas avec moi.
Et j'avais l'impression d'être un petit peu comme Esther dans la Bible, lorsque son oncle l'a envoyée près du roi, elle lui a dit « Vas-y, dis que tu es juive ». Et elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur. Et nous étions un peu dans cette situation, moi et ma femme. Et l'oncle lui a répondu, « Esther, tu dois aller au temple, tu dois aller dans ce royaume, car tu es là pour un temps comme celui-ci. » Et je savais que moi aussi, j'étais là afin de témoigner pour un temps comme lequel je vivais. Voyons à présent comment votre épouse, Barbara, a vécu cette situation, cette période de silence, et votre décision d'en parler finalement. Barbara, pendant 28 ans, vous n'avez pas parlé de la lèpre de votre mari. Et puis, comment êtes-vous arrivée à la conclusion de témoigner de cette maladie? Je pense que les deux, au même moment, nous étions dans cette situation où un magazine connu nous a demandé de donner notre témoignage. Nous avons prié et nous avons l'impression que oui, nous étions appelés pour un temps tel que celui-ci. Est-ce que vous étiez nerveuse? Est-ce que vous étiez tendue de parler de ces années de silence? Beaucoup. Vous savez, j'ai toujours compris que la lèpre était quelque chose d'abject, était quelque chose où les gens avaient péché, où les gens étaient mis à l'écart. Donc, je me suis dit, mais si quelqu'un découvre cette maladie, nous allons nous-mêmes être jetés. Et j'étais dans la peur. Je me suis dit, mieux vaut ne pas en parler, car si les gens le savent, nous allons en souffrir. Oui, j'avais peur. Quel était votre sentiment lorsque, toutes ces années, vous taisiez la maladie de votre mari? Nous avions un grand sentiment de culpabilité. Car vous savez, en tant que chrétiens, nous voulons être ouverts et honnêtes. Mais la peur du rejet était plus forte. Et beaucoup de gens nous ont dit, non, ne dites rien. Alors, nous avions l'impression en même temps de ne pas être francs et de pécher. Donc les gens venaient vers nous, nous posaient des questions, et en même temps, nous devions trouver des chemins détournés pour leur expliquer réellement ce qu'il en était. Est-ce qu'un jour, vous avez regretté d'avoir témoigné de la maladie de votre mari? Non, je ne l'ai jamais regretté. À partir du moment où nous avons confessé, où nous avons déclarer publiquement cette maladie, expliquer aux gens, c'était comme une libération. Pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez parlé de votre maladie, quand vous avez accepté de témoigner? Un jour, dans notre église, avec mon pasteur, j'ai dit, les premières personnes qui auront le droit de savoir ce qui s'est passé seront les personnes qui m'ont supporté toutes ces années. Et nous avons fait une annonce que le dimanche prochain, nous donnerions un témoignage. Est-ce que les gens savaient de quoi vous alliez parler? Non, les gens ne savaient pas. La plupart des gens n'avaient aucune idée. Donc ils sont venus, et je pourrais dire, enfin c'est ma manière de le dire, que chaque personne avec son chien était dans l'église. Donc nous avons partagé notre témoignage et nous sommes arrivés sur ce point critique où je devais leur dire que j'avais la lèpre. Je n'arrivais pas tout à fait à le dire avec les mots juste, donc j'ai dit que j'avais une maladie de la peau. J'essayais d'éviter un petit peu. Mais pour finir, j'étais obligé de leur dire oui, j'étais diagnostiqué avec la lèpre. Et ensuite, j'ai demandé à Steve Griffiths de venir. Et Steve Griffiths est venu et a expliqué ce qu'était la lèpre. Et je crois que toute la congrégation a commencé à pleurer. À la fin de la cérémonie, nous sommes allés vers la sortie et je peux vous assurer que chaque personne est venue et nous a serré la main. Et ce qui m'a touché, c'est que les gens demandaient « Pourquoi vous n'avez pas parlé auparavant ?»
Pourquoi est-ce que vous vous êtes tu pendant 28 ans? Et je peux dire que c'était une journée de grande tristesse mélangée à de la joie. Joy that we'd been open enough to be able to share the inner parts of our hearts. Quelles ont été les bonnes conséquences de votre témoignage? Il n'y avait plus d'endroit de ma vie que je devais cacher. Je pouvais enfin m'exposer comme j'étais devant tout le monde. Je n'avais plus besoin d'inventer des histoires ou de camoufler une vérité difficile à partager. Et je pouvais enfin dire oui, j'ai eu la lèpre. Et c'était une nouvelle liberté. Nous allons à présent découvrir ce qu'est la lèpre avec Éric Chollet, directeur de la mission évangélique contre la lèpre. La lèpre est une maladie très très ancienne, on en parle depuis la nuit des temps. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et aussi de découvrir tous les différents aspects qui entourent cette maladie-là. Mais ce qu'on peut dire en grande ligne, c'est que c'est une bactérie qui agit principalement au niveau des nerfs des extrémités. Et ce bacille affecte principalement les mains, les pieds, le visage, les yeux. Et ainsi, les personnes qui ne se font pas soigner à temps, il y a des grands problèmes de péjoration des nerfs qui vont conduire à perte de sensibilité ou des nerfs moteurs atteints avec la rétraction de certains membres. Et puis, tout ceci va entraîner des conséquences qui seront vraiment, qui peuvent être très, très graves. Pourquoi n'a-t-on pas réussi pour l'instant à éradiquer cette maladie? Alors, ce qu'il faut dire d'une manière générale, c'est quand même que la lèpre, comme bien d'autres maladies, est une maladie liée essentiellement à la pauvreté, à des conditions défavorables d'hygiène, de nutrition, de logement. Et je pense que tant que les conditions sociales des gens ne seront pas élevées, on aura affaire à la lèpre, comme à d'autres maladies. Donc il n'existe pas de vaccin contre cette maladie? Même si on trouve un vaccin aujourd'hui, ça ne résoudrait pas le problème lèpre dans son ensemble. La question qu'il y a, pourquoi on ne peut pas trouver un vaccin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il est impossible jusqu'à ce jour de faire une culture in vitro du bacille lui-même. C'est un bacille qui est proche du bacille de la tuberculose. Avec la tuberculose, on peut faire des cultures du bacille en laboratoire, pas avec la lèpre. Au moment où il sort du corps humain, ce bacille ne se développe pas. Donc la recherche est rendue beaucoup plus difficile pour cela. Et à ce jour, on n'a toujours pas de vaccin. La lèpre peut se soigner assez facilement si on la prend au stade primaire, avant qu'il y ait des dégâts de nerfs qui sont affectés à cause de cela. Et on la soigne principalement au moyen d'antibiotiques. Il y a une chimiothérapie ou une trithérapie, trois médicaments conjointement qu'on utilise, et qui tuent le bacille en très peu de jours. Donc techniquement, on a les moyens aujourd'hui de la soigner d'une manière efficiente, efficace. Vous êtes actif dans combien de pays? La mission est active dans plus d'une vingtaine de pays actuellement. Beaucoup, disons, pour les trois quarts de nos activités sont dirigées vers l'Asie, mais aussi vers de nombreux pays d'Afrique. Et combien de personnes sont aidées par vos différentes antennes régionales ou nationales? Alors, je pense qu'on doit couvrir une population de personnes affectées par la lèpre d'environ 100 à 150 000 personnes qui sont touchés par nos programmes, aidés d'une manière ou d'une autre, soit au plan médical, soit au plan social. Parlons un instant de la maladie et de votre rapport à la maladie. Vous portez sur vous des signes évidents de votre maladie. Qu'est-ce que vous avez appris à propos de la maladie? Je pense qu'une des plus grandes choses que j'ai appris, c'est que vous n'avez pas la réponse pour tout dans la vie. Ce que j'ai également appris, c'est que tu peux soit être victime ou victorieux dans la maladie.
Et depuis le départ, j'ai décidé d'être vainqueur dans la maladie et d'être vainqueur sur la maladie. Oui, c'est une maladie étrange, particulièrement en 1972, lorsque le premier diagnostic avait été posé. Et ma jambe, je l'avais encore 8 ans plus tard, jusqu'en 1980. Mais vous savez, je suis encore attaqué par la maladie. Récemment, j'étais en chaise roulante. Et la maladie continue de m'attaquer, parfois sous différentes formes, sous différentes douleurs. Ce que j'ai appris, tout d'abord, il y arrive des situations malheureuses où peut-être vous avez des diagnostics encore pires, mais j'ai appris à prendre cette maladie comme une force et toucher les personnes qui souffrent, me mettre à leur niveau et leur donner de l'espoir pour être un guérisseur blessé. Je ne comprends pas tous les aspects de la vie, mais je crois que ça m'a donné une plus grande profondeur face à la vie. J'ai des expériences que d'autres ont faites, d'autres n'auront peut-être pas faites, mais ce que j'ai, je veux l'utiliser pour donner de l'espoir pour quelqu'un qui est dans une situation similaire. En tant que pasteur, qu'est-ce que la lèpre vous a appris sur Dieu? Je crois que ça m'a appris à aimer comme Dieu aime. Dieu aime d'une manière inconditionnelle. Et je crois que de souffrir d'une maladie comme la lèpre, avec tout ce qui accompagne la lèpre, nécessite un amour inconditionnel. Le Père m'accepte tel que je suis. Et je crois que la lèpre m'a donné une plus grande compréhension. Et je crois que ça m'a aidé d'être un meilleur pasteur. Je crois que je suis devenu résistant à peu près à tout. Et ça m'a rendu capable également d'accepter les gens tels qu'ils sont. Car Dieu, mon Père, m'accepte moi-même également juste tel que je suis. Et je crois que ça m'a donné une plus grande compréhension de l'acceptance du Père. Et peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu vous aime. On voit que vous aimez les histoires. La Bible en regorge d'histoires. Est-ce que la lèpre vous a permis d'illustrer, ou votre maladie a permis d'illustrer des histoires de la Bible, des principes qui vous sont chers? J'aimerais vous donner une petite anecdote. L'année passée, j'étais à Belfast, en Irlande, et je parlais à une grande école. Et oui, maintenant, lorsque j'y repense, lorsque j'avais 12 ans, les symptômes, les premiers symptômes étaient logiques, mais je ne les connaissais pas. Par exemple, une fois, je m'étais brûlé la main et je n'avais rien ressenti. J'avais 13 ans. Et je me suis dit que tous les garçons à cet âge-là ne ressentaient sûrement rien. Comme moi, je ne ressentais rien. Donc, je n'en ai jamais parlé à un docteur, ni à personne. Pour moi, c'était normal de ne rien ressentir. Et j'ai gardé ce secret. Donc, lorsque je partageais mon témoignage à cette école, il y avait le responsable de la lutte contre la lèpre qui était également là. Et elle a préparé une table avec deux bassines, une bassine d'eau chaude, une bassine d'eau froide, également une pierre lisse, une pierre plus pointue, des matériaux mous, des matériaux durs. Et ensuite, elle m'a demandé de donner mon témoignage. Et moi, j'ai commencé en leur disant, voyez, moi, je ne l'ai pas fait, mais je vous encourage. Si quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas, dites-le. Moi-même, comme avec cette bassine, eh bien, à l'époque, je me suis brûlé et je n'en ai pas parlé. Et parce que je n'en ai pas parlé
un stade très précoce, eh bien aujourd'hui j'ai perdu cette jambe. Alors voilà, j'ai pris ma jambe, je l'ai posée sur la table, et je leur ai dit, prenez, tirez sur ma jambe. Et ma jambe est tombée. Et vous pouvez vous imaginer 200 enfants effrayés qui sautent de leur chaise. Et le message a été, si quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, si tu es malheureux à propos de quelque chose, parle-en. Si moi j'en avais parlé en 1961 de ce problème que j'avais, aujourd'hui j'aurais mes deux jambes. Et c'est pour moi également quelque chose de spirituel. Si tu n'es pas en accord avec Dieu, si quelque chose ne fonctionne pas avec Dieu, dis-le-lui. Nous approchons bientôt du terme de cette émission. J'aurais encore voulu vous poser une dernière question. On parle beaucoup de la santé aujourd'hui, qui est une valeur suprême dans la société. Est-ce que vous pensez que la maladie, le fait d'être malade pendant des années peut-être, peut être positif pour une personne? Le fait qu'une chose soit positive ou négative dépend de l'attitude d'une personne. Je le crois de tout mon cœur. Bien sûr, ce n'est pas drôle de n'avoir qu'une seule jambe. Ce n'est pas drôle de devoir prêcher en chaise roulante, que ce soit à Addis Abeba ou en Suisse. Oui, c'est difficile. Mais si Dieu me donne la possibilité d'avoir une attitude positive, je crois également que j'ai la force parfois d'en rire et d'être là pour donner l'amour de Dieu et parler de la force que Dieu peut donner à une personne lorsqu'elle se trouve dans une situation difficile. Dan Isset, merci d'avoir été avec nous dans cette émission Réflexion. À nos téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cela vous aura apporté quelque chose et nous vous disons à bientôt dans une prochaine édition de Réflexion.